please standing ovation for Martin Martinez and Mark Huzam, their solution architects at CTOT Montreal. Unfortunately, we just received a warning from the City of Montreal that this is Montreal, it's, you know, Quebec, so we have to speak French. So the second part of the conference will be in French. Please welcome. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé et que c'est pas l'heure de la sieste. On va essayer de vous réveiller un petit peu et on est venu ici pour partager un petit peu notre expérience avec Cloud Native. Comment est-ce qu'on a réussi à mettre ça en place à la ville? Ça peut sembler un défi et en fait c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre la ville il y a 3 ans, ainsi que mon collègue Marc juste un petit peu après moi. Dans l'audience, on a un collègue, Jérémy, et un ancien collègue, William, qui ont fortement contribué à tout ce qu'on va vous présenter. Alors, moi c'est Morgane Martinet, voici toutes les infos si vous voulez me joindre, de même pour Marc. L'agenda aujourd'hui, on va vous faire un petit topo sur le contexte de la ville, les choix technologiques qui ont été faits, la manière qu'on a mis en place pour automatiser les déploiements, vous faire une démonstration, vous parler un petit peu de monitoring et finir par les enjeux que nous avons rencontrés et ce qu'on a prévu dans notre roadmap. Comme l'a mentionné Archie, on a eu la chance d'avoir un article sur nous. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez avoir plus d'informations sur ce qui nous a amené à mettre en place la CNCF à la ville. Pour vous faire un petit topo, la ville, c'est quoi? C'est quand même une belle infrastructure solide et moderne, avec 3 data centers tous sur l'île, des latencies très basses, pas mal de stockage, pas mal de VM. La plupart des serveurs sont virtualisés. Mais comme dit un de mes collègues, la ville, c'est un petit gros. C'est-à-dire qu'on est loin, loin d'être Amazon ou Google et d'avoir des milliers ou millions de requêtes par seconde. C'est vraiment pas notre enjeu. Notre enjeu, en fait, c'est le nombre d'applications et de technologies différentes qu'il faut supporter à la ville. La ville, ça fait pas 10 ans que ça existe, ça fait une centaine d'années, enfin plus. Mais on a du mainframe avec du COBOL, on a du WebSphere, on a du PHP, du Drupal, maintenant on a du Node.js. Et on a donc beaucoup, beaucoup de produits, beaucoup de directions à supporter, beaucoup de produits et peu de ressources. Quelques stats aussi pour montrer un petit peu notre croissance depuis qu'on a introduit le Cloud Native. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'on a atteint 400 projets dans Jenkins en 2 ans seulement. On a dépassé la limite autorisée de Docker Hub, qui est normalement de 500, on a eu une exception jusqu'à 600. Dans Bitbucket, on a déjà 800 repos. Et notre cluster de dev contient 400 pods dans 6 nœuds seulement, avec donc 80 namespaces. Alors... Notre voyage Kubernetes commence il y a 3 ans, quand on a choisi de refaire un positionnement technologique à la ville et d'introduire des techniques de déploiement moderne pour fluidifier le déploiement et itérer beaucoup plus vite sur les produits qu'on offre. On a commencé par une preuve de concept avec Docker, comme tout le monde. Puis une fois qu'on a déployé plein de conteneurs dans quelques VM, on s'est assez vite rendu compte que c'était difficile à gérer et que ça nous prenait un orchestrateur parce qu'on gérait les ports utilisés par les conteneurs dans un spreadsheet. C'était vraiment pas le fun. Donc assez vite, on s'est aligné sur Kubernetes comme le standard émergent en termes d'orchestrateur. On l'a mis en place et on a été capable quand même de livrer assez rapidement une solution complète. Après, on a rencontré certains enjeux comme devoir changer d'hypervisor ou devoir changer de distribution de Kubernetes qui nous a obligé à migrer tout notre workload d'un cluster à un autre. Mais on a appris au passage. Actuellement, on est en train de finaliser la dernière version de 1.14 de Kubernetes.
Alors voici à quoi ressemble notre architecture logique qu'on retrouve dans chacun de nos clusters. On peut voir que les requêtes arrivent de l'externe par Cloudflare, qui nous protège contre les attaques de type DDoS et qui fait du caching et du proxy. Ensuite, on a du Nginx pour faire du proxy et accessoirement du load balancing, et Kong comme API gateway. Les logs des applications sont collectés par Fluentd et centralisés dans Greylog. Pourquoi est-ce qu'on a pris Greylog plutôt qu'Elasticsearch? C'est uniquement parce que Greylog offre un concept de stream dans lequel on peut définir des droits d'accès pour limiter ce que les développeurs peuvent voir. Pour les applications qui auraient besoin de monter un persistent volume, on a une intégration avec nos serveurs NetApp de stockage. Et pour visualiser tout ça, évidemment, on utilise Prometheus et Grafana. Mais avoir Kubernetes, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Comme Kelsey l'a déjà mentionné déjà en 2017, Kubernetes, c'est une plateforme pour bâtir des plateformes. Ce n'est pas juste de déployer et on a fini le travail. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de développer une plateforme, un PaaS, donc plateforme as a service. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de le faire nous-mêmes plutôt que d'acheter OpenShift, par exemple? C'est parce qu'on souhaitait avoir la version vanille de Kubernetes pour bénéficier des versions récentes, étant donné la vitesse de développement. On ne voulait pas dépendre d'un vendeur et de son bon vouloir de faire les mises à jour. On voulait aussi bien comprendre ce qu'on allait mettre en place, donc réduire le nombre de morceaux qu'on introduisait. On voulait aussi avoir l'espoir de pouvoir partager facilement nos développements avec d'autres communautés et organismes publics. On veut, évidemment, ça c'est un de nos principes à la ville, c'est éviter le monotage contractuel, le vendor locking. Donc on voulait éviter de dépendre de gros contrats qui sont plus difficiles à acquérir pour nous en termes d'approvisionnement. Et puis enfin, on voulait aussi personnaliser la solution pour rendre la vie plus facile à nos développeurs et susciter l'adhésion. Alors, je viens de parler d'un PaaS, mais pour nous, un PaaS, c'est tout simplement un ensemble de services bien intégrés qui relient donc les conteneurs avec le stockage, le API gateway, les logs, le monitoring. Donc c'est cette slide-là. Pour nous, c'est ce qui est vital. Et pour pouvoir déployer là-dedans, on a besoin donc d'un pipeline de déploiement continu. Et aussi, pour que ce soit une plateforme, il faut qu'il y ait un minimum de libre service, donc permettre aux nouveaux projets de se créer et se déployer dans cet environnement facilement. Pour cette partie-là, donc le portail et le pipeline, on a choisi d'utiliser Jenkins. Jenkins peut vous sembler certainement un petit peu désuet aujourd'hui, étant donné la quantité d'outils en déploiement continu qui existent. Mais il y a 3 ans, il n'y avait pas tant de choix que ça. Et aujourd'hui, je trouve qu'il reste assez moderne et puissant, et il offre beaucoup de choses que les autres n'offrent pas, par exemple une interface graphique complète avec une gestion des droits d'accès. Et il est aussi... l'avantage, c'est que la plupart des gens le connaissent, donc ça a facilité la transition. Enfin, pour nous, le nouveau feature winner, c'était le fameux Jenkins file qui permet de faire du infrastructure as code et donc de versionner le pipeline. Donc, faire un pipeline avec toutes les étapes de build, de configuration, de déploiement, de provisioning, ça reste assez compliqué et c'est un petit peu la sauce magique qu'on a voulu développer à la ville. Et dès le début, on savait qu'il fallait qu'on encadre un petit peu tous ces efforts, étant donné le nombre de clients que nous avons. Donc, si je fais référence aussi à la map CNCF Landscape, où vous avez vu une tonne de produits différents,
Ou si je repense au cas de la fédération V1 qui a disparu, pour nous c'était important dès le départ de définir des abstractions solides pour cacher les technologies sous-jacentes et nous permettre de faire évoluer notre plateforme, remplacer les morceaux sans même que nos clients s'en rendent compte. Par exemple, aujourd'hui nous utilisons Kong, mais demain on pourrait remplacer Kong par le gateway de Istio sans que personne s'en rende compte. Donc pour nous, le fait de créer un DSL en Groovy dans le Jenkins file, c'était pour simplifier, c'était pour factoriser, étant donné qu'on a déjà 400 projets dans Jenkins. Si chaque fois qu'on voulait introduire une petite mise à jour, il fallait demander aux 400 projets de se mettre à jour, ça ne se produirait jamais. Donc on a voulu vraiment cacher ça pour pouvoir introduire graduellement une évolution. Ensuite, on voulait aussi imposer une façon de développer saine en gérant les secrets, ce qui est toujours un petit peu difficile parce qu'on a tendance à mettre des mots de passe dans les configurations partout. Et une fois que ça l'est, c'est difficile d'en sortir. Donc on voulait vraiment l'avoir dès le départ et que ce soit le plus simple possible. Nous, la ville nous impose quand même des environnements de travail différents, comme un environnement de développement, une acceptation, puis une production. Donc il fallait aussi qu'on soit capable d'avoir des destinations différentes pour nos workloads. Donc le DSL, pour nous, décrit l'application au complet, sa configuration, ses dépendances, c'est notre source de vérité et c'est notre façon de faire du GitOps, puisque c'est un fichier texte qui est exécutable et qui est versionné dans Git. Alors sans plus attendre, voici à quoi ça ressemble. Rien d'exceptionnel, c'est essentiellement une configuration de type JSON, dans laquelle on a essayé d'introduire un maximum d'informations pour toutes les parties de l'application. Donc, au début, on commence par identifier l'application, mettre des annotations pour pouvoir la filtrer plus tard, mettre des contraintes sur son exécution dans le cluster. On peut aussi redéfinir n'importe quelle de ces valeurs pour un environnement particulier. Si je vous montre ici, par exemple, on peut faire un override juste pour la prod. On a aussi une séparation des responsabilités. Donc, nous, on assume que l'équipe de développement est capable de bâtir une image Docker. Donc, nous la buildons pour eux et ensuite, nous la prenons en charge pour la déployer, la configurer dans le pass. Ici, vous avez un exemple de secret où on est capable de générer un fichier dynamiquement en allant chercher des secrets dans Jenkins. Et ce fichier, en fait, va se retrouver dans un secret dans Kubernetes. Et ce secret va être monté comme fichier à cet endroit-là dans le conteneur automatiquement. Pour les cas où on aurait besoin de variables d'environnement, ce qu'on évite pour les secrets, on peut aussi générer ce qu'on veut dynamiquement. Puis pour la partie API, on essaye donc d'inférer des configurations. Donc selon l'environnement, on va avoir des URL qui se décomposent, donc api.montréal.ca, le domaine base, puis ensuite à l'intérieur, il y aura le chemin de l'API. Donc on a vu la première partie, ça c'est la deuxième partie. La première partie, c'était de la configuration. La deuxième partie, c'est du code, où on retrouve toutes les étapes du pipeline. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment minimaliste, et c'est le but. Le but, c'est donc d'avoir vraiment factorisé chaque étape, mais en même temps de permettre aux développeurs de redéfinir chacune des étapes, si ça ne convient pas. Voilà. Donc, la plupart des étapes sont prises en charge, sauf une, celle des tests. Parce que les tests, on ne sait pas, selon la technologie qui a été utilisée, on voulait laisser la liberté aux développeurs de dire, moi c'est comme ça que je veux rouler mes tests, je pourrais le décomposer en plusieurs parties, je pourrais essayer de paralléliser, enfin bref. Donc on voulait laisser une certaine souplesse. Alors, notre Jenkins, il est déployé dans Kubernetes, un cluster spécial pour lui.
Et il utilise le plugin de Kubernetes dans Jenkins, qui a le gros avantage en fait d'être capable de créer des agents à la demande dans Kubernetes. Et pour chaque agent créé, on peut lister un ensemble de conteneurs. Et donc dans chaque conteneur, on peut utiliser des outils différents, comme si j'ai besoin de kubectl, de helm, je vais pouvoir le lister, puis je vais pouvoir en spécifier la version. Ce qui évite la traditionnelle installation d'agents dans des VM où il fallait préinstaller tous les outils avec les différentes versions et ce n'était pas gérable. Voilà. Donc ça, nous avons quatre clusters. Un cluster principal d'infra dans lequel il y a Jenkins et Nexus. Et ce cluster, lui, est capable donc de déployer de la même façon dans le cluster de développement, d'acceptation ou de production. Tout ça se fait selon le modèle GitFlow, où chaque branche est mappée vers un environnement différent. Donc, develop, release, c'est pour l'acceptation, et master, c'est pour la production. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a l'air compliqué, mais c'est une demande qu'on nous faisait en permanence, c'était « j'ai besoin d'un nouvel environnement ». Nous, on en offrait trois, on nous en demandait deux, trois de plus. Je veux une pré-prod, je veux un environnement de formation, je veux X, Y, Z. C'était contre nos principes parce qu'on ne veut pas rajouter trop d'étapes et on veut pas non plus, on n'est pas capable de gérer autant d'environnements différents. C'est un problème que nous avons déjà rencontré à la ville de toute façon. Donc notre solution, ça a été de dire, on ne va pas rajouter d'environnement de plus, mais simplement en modifiant notre DSL, on va vous donner la possibilité très facilement de déployer side by side deux applications. Donc là, si je prends une API, elle va être dans un namespace X et simplement en ajoutant tirer puis un autre nom à la branche, à ce moment-là, on va être capable de dupliquer et de créer une deuxième instance qui va être provisionnée pour avoir des secrets différents, consommer une autre base de données, avoir une autre URL, et un autre fichier de configuration. Alors maintenant, c'est le temps de la démo. C'est à mon tour de me permettre de rester assis ici pour être sûr que je ne tombe pas en bas. Alors, à la ville, Morgane nous a fait comprendre qu'on a énormément d'applications, énormément de groupes de développement. Fait que c'est très important de les encadrer et on a voulu faire ça du début à la fin. Donc, ici, je vais vous faire un démo. On avait peur que le réseau ne marche pas très bien, fait qu'on a fait des vidéos, mais je vais les faire très interactifs. Donc, ça, c'est le pipeline qu'on a développé. Il y a une création initiale au début. Est-ce que vous voyez la souris sur l'écran? Oui. Fait qu'au début, il y a une création de projet. Donc, on commence vraiment du début. J'ai une nouvelle application. Je veux, par exemple, allouer les quarts de travail des policiers. C'est un cas qui est arrivé. Alors, je veux créer un nouveau repo Git. On a automatisé ça. Après ça, on leur fournit un générateur de code à travers Yeoman. Et là, ils ont le squelette de ce qui fonctionne pour s'intégrer dans notre PaaS, dans notre Platform as a Service. L'équipe de développement se concentre ensuite sur le contenu. Okay, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de tout ce qu'il y a autour. Ils font des commits dans Bitbucket. Les webhooks notifient Jenkins. Jenkins fait le build de l'image Docker. On envoie ça dans Docker Hub. Il y a des tests automatisés, d'analyse syntaxique et des vérifications de sécurité. Puis, avec Helm, on déploie dans Kubernetes, comme Morgane nous a montré dans le beau graphique tantôt. Et on va même plus loin, où est-ce qu'on configure automatiquement notre API Gateway. Donc, toutes les configurations nécessaires qui sont dans le Jenkins file sont prises en charge par Jenkins et sont configurées automatiquement. Puis on rentre dans le runtime, où est-ce qu'on a des alertes, du monitoring, des dashboards qui sont aussi fournis, si vous me permettez l'expression, out of the box aux développeurs, et les logs qui se rendent automatiquement à Guerrilla. Donc, rien vraiment à faire pour un développeur, à part se concentrer sur son application. On a même la génération de documentation des API. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, premièrement, on a fait une job Jenkins, donc on a une job libre-service qui permet... Est-ce que ça se voit comme ça ou je vais full screen? Full screen. OK. Fait qu'on a une job John Jenkins, je vais vous la montrer ici.
Où est-ce qu'un développeur ou la personne qui parle le projet, on lui dit, bon, comment tu vas appeler ton repo Git? Où est-ce qu'il est situé dans Bitbucket? Est-ce que tu veux qu'on crée la job Jenkins qui correspond automatiquement? Et après ça, il pèse sur build. Et puis, les étapes sont prises en charge par Jenkins. Création du repo, il contacte Bitbucket. Il configure le projet automatiquement. Fait que ceux qui ont à gérer ça, vous savez qu'il faut aller dans Bitbucket, faire des webhooks pour reparler. Tout ça, c'est automatisé. Ensuite, on passe à des notifications de terminaison de build, donc c'est pas vraiment important. Et nous voici. Où est-ce que dans les logs, on voit que le projet a été créé. Donc ici, Cloud Native Day. On s'en va sur Bitbucket. Le projet est là pour être intégré avec le vrai code lorsque ça va être disponible. Ici, je vous montre les webhooks. Donc ça, ça a été configuré automatiquement. C'est les appels à les URL de la ville service.montréal.ca où est-ce que notre Jenkins écoute pour gérer les builds automatiquement. Ensuite, OK, après ça, on parle de OK, donc comme ça, je vous ai parlé de générateur de code. On ne veut pas que les développeurs aient besoin de passer leur temps à s'occuper de l'infrastructure. Donc, avec Yeoman, ils partent en haut ici, vous pouvez voir Yo et notre générateur de code. Et les développeurs pourront simplement répondre à certaines questions qui vont pré-populer le Jenkins file, générer le code nécessaire. Donc ici, par exemple, le projet va s'appeler Cloud Native Day. L'API va être accessible sous slash API IT Cloud. Est-ce qu'on veut activer de la sécurité? Est-ce qu'on a besoin du support Oracle? Il y a beaucoup d'Oracle à la ville. Est-ce qu'on veut une BD Mongo? Est-ce qu'on veut des exemples générés automatiquement? Le déploiement vers Kubernetes. Dans Kubernetes, comment va s'appeler le namespace? Ici, IT Cloud. Et les personnes à notifier. Et puis après ça, le générateur va partir. Vous allez voir, c'est très rapide. C'est en temps réel. Hein? C'est la vidéo, donc il n'y a rien d'accéléré. Et voici la génération de code. Et puis, tout est là de façon à ce qu'on puisse déployer sans aucune autre modification. Évidemment, le contenu, c'est un squelette exemplaire, mais ça permet après ça d'aller simplement modifier le contenu et déployer. Donc, les développeurs ensuite se concentrent sur leur développement. Ici, on vous montre, on a un Dockerfile standard ici qui set le time zone, des choses comme ça, qui installe, c'est du NPM surtout, qui crée le NPM install, qui prépare tout le projet. Et puis après, dans le Jenkins file, si on regarde les sections qui sont générées, tout ça encore automatiquement, le namespace est fourni par ces informations aussi, le projet s'appelle ça, c'est du back-end. Ça utilise le Framework Express. Si on continue. Ça, c'est la section d'API. Donc, le domain path. Vite. Le domain path a été cloud, blablabla. C'est accessible. Donc, à la ville, on a un public accessible à tous les citoyens. Interne, seulement pour les employés de la ville. Puis, privé, c'est quand on a juste un whitelist de certaines IP qui peuvent accéder aux API. Et ensuite, ça, c'est tous ces fichiers-là ont été générés par Yeoman et le développeur n'a qu'à faire son git add all et faire son premier commit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a utilisé Husky pour faire des hooks de façon à ce qu'on puisse faire certaines vérifications lors de la création des projets et lors de l'utilisation des projets. Dans ce cas-ci, dès qu'il y a un commit, il y a un lint qui est fait, donc vérification syntaxique, puis il y a aussi une vérification du commit message. Donc le commit message ne suit pas la norme de la ville, donc ici on va le refaire, et puis il va repartir le gulp prettier fix, donc il fait une vérification syntaxique, tout est bien formaté, tout est beau. Et après ça, c'est le temps de faire le push. Et là on push vers Bitbucket, et là il y a un autre hook qui va s'assurer que les tests passent, fait qu'on voulait éviter que il y a des itérations de « Oups, j'ai oublié de faire une vérification, puis ça ne marche pas. » Fait qu'on essaye vraiment, le message ici, c'est qu'on essaye vraiment d'encadrer
les 400 différentes applications, les différents groupes de développement qui travaillent sur ces applications-ci. Et puis là, c'est envoyé sur Bitbucket. Ensuite, on tombe dans... Le pipeline de Jenkins. Jenkins reçoit le webhook après le push. Il va chercher le code dans son checkout. Il fait le build de Docker Build. On fait une pré-publication à Docker Hub. Donc ça, c'est comme une image de test. Et on exécute les tests. Donc c'est sur une vraie image qui contient tout le code. On fait des tests. Si ça passe, on fait une vérification de sécurité. Et si ça passe, on fait la publication officielle. On déploie vers Kubernetes et on configure notre API Gateway. Il y a dans les artifacts que Jenkins nous fournit, il y a le container scan, donc le rapport de sécurité qui a été fait ici et qui a l'air d'à peu près ceci, donc qui indique aux développeurs s'il y a des vulnérabilités qui font partie de l'image. Donc ici, celle-ci a 3 vulnérabilités. Il y a aussi un courriel qui est envoyé évidemment pour dire soyez au courant qu'il y a des vulnérabilités dans votre image. Ici, donc l'accès est fourni directement avec Kube Dashboard. Donc, tout est déployé sans plus de formalités. On a rajouté aussi de l'information dans les annotations de Kubernetes. Fait qu'avec les démos qu'on a eues auparavant, quand vous faites des kubectl, get pod, get ingress, get service, il y a de l'information qui a été rajoutée pour fournir des méthodes de troubleshooting. Fait que le build Jenkins... l'image de base qui a été utilisée dans le Dockerfile, la date de création, la branche de développement, etc., etc., le dernier commit. Tout ça, ça aide les développeurs à adresser des problèmes s'il y en a qui se présentent au runtime. La configuration de notre API Gateway est faite automatiquement. Donc ici, on se connecte vers KubeSlave. On a passé maintenant au nom KubeWorkers. Politically correct. Et un dernier vidéo qui vous montre l'intégration des logs. Donc ici, on va appeler l'API avec curl. Donc on fait un appel d'API à... Je tape pas vite. Diagnostic IT Cloud. Donc vous rappelez qu'on l'avait configuré avec IT Cloud. Et on fait un ping sur cette API. C'est un des endpoints qui s'appelle ping. Et on a reçu ici le 200... de la réponse. Donc, ça s'est rendu à travers Cloudflare jusqu'à Kubernetes et c'est revenu. Et ça nous a fourni aussi un Correlation ID. Donc, pour le troubleshooting, notre API manager fournit automatiquement des Correlation ID. Et en utilisant le Correlation ID, ça c'est notre gray log où est-ce que tous les logs sont rendus disponibles, on peut voir qu'effectivement, il y a un appel qui a été logué par l'API manager, il est allé sur Cloud V1 Ping, des informations comme le namespace, le nom du pod, l'URL de disponibilité, etc., etc. Donc, c'est sûr que quand on regarde des vidéos, on dirait qu'on a triché, mais honnêtement, c'est une suite logique de ce qui s'est passé sans aucune autre intervention que ce que je vous ai montré. Miraculeusement, en plus, magiquement, on fournit aux développeurs des dashboards. Donc ici, ils n'ont rien créé. Ils vont juste dans Grafana. Et ils vont sur le dashboard, c'est un dashboard de Request by API, okay, c'est ça. Et donc on voit combien de requêtes sont rentrées par seconde, combien en 5 minutes, etc., etc. Et leur application, donc dans notre cas IT Cloud, Cloud Native Day, a apparu automatiquement dans la liste des applications et on peut faire du monitoring de trafic d'API. Documentation d'API, on va vous la montrer live. Ici, je vais laisser Morgane, si tu veux prendre le micro, parler de ça très, très rapidement, parce que je pense qu'on est assez vite. Non, on en passe. Je voulais juste en profiter pour vous montrer quand même aussi, on a fourni un gros effort pour faire notre propre classe, et on a choisi les morceaux. Ça reste quand même assez compliqué, et on a voulu intégrer tout ça donc dans un portail de documentation de l'API, qui permet en fait de voir la complexité de toutes les API qui ont été développées pour pouvoir naviguer à l'intérieur
application, trouver une API avec la recherche, mais surtout donc comprendre un petit peu, juste pour vous montrer, là, ça ce sont tous les domaines d'affaires qui sont représentés pour l'instant en termes d'API. Donc il y a quand même 102 API répartis dans 28 domaines. Ici je peux faire des recherches, par exemple, sur l'étiquette. Je peux faire un delete sur mon ticket. Ou tax. juste pour vous en montrer une simple, ça c'est une API qu'on a développée à l'interne pour pouvoir surveiller certains services. L'intérêt, c'est qu'on présente aussi toute l'information qui va permettre de naviguer dans cette complexité. Donc là, on voit l'URL de base de l'API, mais je peux voir quelle est la version de l'API, je peux accéder à sa définition Swagger. Je peux l'ouvrir dans un éditeur de Swagger si je veux. Je peux voir la version du service, quelle version de Node.js a été utilisée, quand est-ce que ça a été déployé. Je peux accéder au repo dans Bitbucket. Je peux voir la job dans Jenkins. Et je peux accéder directement au dashboard de Kubernetes. Je peux accéder au log aussi. Problème de réseau. On a bien fait de faire des vidéos. J'ai l'impression. donc ça c'est le lien vers le graphique Grafana qui vous a été présenté. Donc il va sélectionner automatiquement la bonne API. Ici je peux voir toutes les requêtes qui ont été faites sur le service, mais dans le Greylog, pour avoir les détails. Là c'est les logs centralisés, donc c'est intéressant parce que si j'ai une API qui a 4 instances. Mais j'ai pas envie d'aller regarder les logs de chaque instant, je vais les voir centralisément. Voilà. Ici, juste pour vous montrer, on a la partie documentation où on peut voir tous les logs. Pas d'internet. Alors, on conclut rapidement ici avec, on avait parlé de monitoring. Donc, on utilise Prometheus qui a. On a déjà mentionné. Donc, les alertes de Prometheus, on les fournit aussi out of the box pour la plupart des projets. Ils peuvent aussi les augmenter pour des cas plus spécifiques pour eux. Mais on utilise le Black Box Exporter. Donc, on définit certaines alertes, comme justement les alertes de Black Box, du crash looping, du standard instance down. Et ces alertes sont envoyées dans Slack. Ici, on a généré une alerte de test pour vous montrer de quoi ça a l'air. C'est assez standard, mais ça permet aux équipes opérationnelles de réagir assez, de façon très agile aux alertes qui sont générées par la plateforme. On a aussi, tantôt je vous ai montré un graphique Grafana qui était spécifique aux applications, donc aux API. Ici, c'est un graphique plus, ou un tableau de bord plus opérationnel en général. Fait qu'on peut voir en haut la prod, l'acceptation et la dev. Et donc ici, tout le système est vert, ça passe à jaune quand il y a des indisponibilités, puis à rouge quand vraiment c'est des fautes graves. Il y a des informations des gauges, le nombre de déploiements actifs en ce moment en dev, 244, donc c'est un cluster assez actif en variété. Et pour finir la présentation, Morgane va conclure avec les enjeux rencontrés et les roadmap de la ville à ce sujet. Alors, le plus gros enjeu qu'on a aujourd'hui, puis ce n'est pas relié simplement à Kubernetes ou à Cloud Native, mais c'est vraiment la gestion des mises à jour. On est une petite équipe et on doit supporter énormément de produits différents, de plateformes. Donc, pour nous, être capable de mettre à jour les plateformes, être capable de s'assurer que les conteneurs qui roulent soient à jour, utilisent une image de base à jour, qu'ils consomment des librairies qui sont à jour, tout ça, c'est un casse-tête et on n'a pas encore la bonne solution. Jenkins nous a aussi donné un petit peu de fil à retordre. Parfois les agents se bloquent, donc il faut killer, repartir des affaires. On a découvert qu'il était très important d'utiliser l'option -rm quand on fait un Docker build dans un agent, sinon on peut laisser des fragments d'images dans le host qui vont saturer le serveur.
Sinon, la migration à une nouvelle distribution de Kubernetes, ça a été quand même aussi un gros challenge pour nous. Et enfin, c'est bien beau d'avoir tous ces outils de monitoring, de log, de dashboard, etc. Mais il faut en faire quelque chose. Donc, il y a tout un effort à trouver les bons dashboards ou à les faire soi-même, après à s'en servir, à les regarder, à configurer des bonnes alertes qui font du sens, à réagir aux alertes dans les temps même anticipés, si possible les problèmes. Puis aussi tout ce qui est optimisation de l'environnement, donc comment définir des quotas mémoire, CPU qui ont de l'allure, comment correctement configurer les probes pour que l'application ne parte pas en crash loop. Ça, c'est plein de choses que nous avons découvertes. Et enfin, dans notre roadmap, ben, comme on l'a vu, il y a tellement de nouvelles technologies qui sont excitantes et qu'on aimerait mettre en place. La première chose qu'on aimerait améliorer, c'est le provisioning automatisé. Donc on l'a déjà amorcé avec le gestionnaire d'API, mais on voudrait être capable de simplement dire je veux une BD Mongo de telle version et puis qu'elle soit automatiquement provisionnée avec les bons secrets pour le compte d'accès. On aimerait aussi améliorer la vie des développeurs parce que c'est bien beau de passer du monolithe au microservice, mais tout le monde vous le dira, c'est plus compliqué. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'interactions à comprendre, à surveiller. Alors il faut qu'on améliore l'observabilité. Istio ou les projets similaires de service mesh ont l'air très très intéressants pour ça parce qu'ils vont nous augmenter toute la télémétrie du cluster, et puis des projets comme Jaeger qui permettent de visualiser des distributed tracing sont très très intéressants aussi pour nous. Aussi, pour l'instant, on a du Prometheus de base, donc on est limité à 14 jours de rétention. Il faut absolument qu'on mette en place du long-term storage, et là il faut qu'on évolue différents projets tels que celui de Uber avec M3DB ou Cortex ou whatever. Il faut qu'on améliore la sécurité. Alors, on est en train de faire une preuve de concept pour intégrer SonarQube pour un petit peu mettre plus de pression sur les développeurs pour qu'ils aient des bonnes pratiques. On voudrait aussi être capable de signer les images. Le premier présentateur l'a mentionné, on aimerait aussi développer les policies, que ce soit des pod policies, des network policies ou peut-être même d'autres types de policies avec OPA. On aimerait aussi arrêter d'utiliser Docker et le Docker Engine pour pouvoir utiliser des outils plus optimisés qui permettent de faire des rootless containers. Il va aussi falloir qu'on se mette au Function as a Service, mais là c'est le gros enjeu, ça va être de choisir le bon framework étant donné la compétition qu'il y a là-dedans. Jenkins X, ça a l'air d'être très très intéressant. On va voir ce qu'on pourrait peut-être faire avec ça. Tout le concept d'opérateur dont on discute dans le monde de Kubernetes depuis un certain temps, ben ça semble très prometteur. C'est encore, pour l'instant, je trouve, un petit peu bêta, mais à un moment donné, chaque plateforme va venir avec son opérateur et ça devrait nous simplifier énormément les opérations. Nous, on a un besoin aussi de pouvoir nous étendre dans le cloud. Donc là, on va devoir travailler sur du cloud hybrid. Et pour nous, c'était un petit peu le pari d'utiliser Kubernetes. C'est cette abstraction que ça nous offre, qui va nous permettre de rouler dans n'importe quel cloud, et aussi bien on-prem que dans le cloud. Pour aussi faciliter le déploiement continu, ben, on aimerait aussi commencer à jouer un petit peu avec les feature toggles, et quand nos équipes de développement auront un peu plus mûri, travailler sur les canary deployments, et être capable d'avoir des versions qui pourraient se déployer en parallèle avec un trafic qui shifterait de l'ancienne version vers la nouvelle tranquillement, qui serait capable de détecter une anomalie et revenir en arrière. Donc ça, on n'a pas encore cette maturité-là. Alors, si vous êtes intéressé, la ville recrute, on a une centaine de postes qui sont offerts. N'hésitez pas à venir nous donner un coup de main.